gratuit au sein de la prison centrale de Makala. Présentez seulement votre carte d'identité. Côté là. Il y a son côté. National, prison centrale de Makala. Dérangez, vous accueillez, vous rendez les honneurs à l'occasion de la libération des détenus. Je vous invite à passer le détachement d'honneur en revue. Commandant détachement, commissaire de police, tournez, qui voit que vous voyez Bouta.
Banoma qui biso pour na action. Les alités pour na ba discours et belé milaï. Ba pesa qui biso mitindo. Yako bongisa ba condition de vie. Ya ba détenu. La PESA qui biso mission et à coup désengorger ma prison. Donc prison à Makala. Nayaki bala liboso. On a comme on a bino koyo kabino. Ok. Na sima ya koyo kabino. Na tiaki commission. Il y a désengorgement. Pour être et salissabiso et étudier baka ya ba détenu mokona moko on a pour éviter ba erreur na musala wana e bandaki pour être na prison ezali réservé kaka en principe na ba condamné. Pratique Oyo, Oibi, Osali Eloko, Oibi téléphone, Balamoro Makala, Sengelie Salanini, Esila! Nabouende, Toko, Solola, déjà Nabaï, ba magistrat, ba parquet, Nios. Pourquoi ça? Pour te baka et belé et souka kana niveau ya ba parquet. Koyokani? Oui! Na désormais, denge boyeba ki na lobeli directeur ya prison. Na lingi soki mokete, mokonzi amboka lingi li susu te, koyoka ete prisonnier moko, azali kolala na ba condition ya ma be. Koyokani? Na si na pesie mitindo. Nous allons désengorger systématiquement la prison à Makala. Merci, papa. Vous êtes au Canada. Ba Oyo, Isengeli, Ba Bima, Ba Rosala Nini. Ba Bima. Prison, Yamakala, ils allons sous place, il y a un règlement des comptes. Vous êtes au Canada. Oui, papa. Nana lingi miibi ya mbongo ya letande batonda awa. Au bandit si quoi au processus il y a des engorgements que vous connaissez à cause signé bah arrêter à libération conditionnelle. Oui. Parce que ni beko pessinga ima koki à cause signé bah arrêter pour n'a coupé sa bateau bah libération conditionnelle que vous connaissez. Alors désormais tout est en place planning. Il y
la libération. Nous avons été étape par étape. À partir de l'élo, phase de l'Iboso, battu à l'Iboso, va jouer ma prison. Kende na yango malembe ma malembe tozo kana boye papa yeba ete soki oza na ba condition na yo ya kobima okosala nini okobima ngai moko ministre nde na kobanda koya na ba surprise kaka ndenge na elelo amen papa yo kani boye papa bozala kimia nazo kende pour faire acte ya libération ya premier lot ya ba. Thank you.
tozali awa ponako régression centrale oyo totalement toyokani toyokani mokonzi ni na sali nini les pouvoirs oyo mokonzi ya mboka te la bango maboko botele. Lelo na oti ko kita nase. Na kiti wapi? Nase. Na kiti wapi? Nase. Na mbogo na sali nini? Omani. Sali nini? Omani. Benda ya mo. Boba ete na yoki. Boba ete na yoki. Na kosala lisusu mabete. Na kosala lisusu mabete. Na kozonga lisusu wana makala te. Tokani? Le chef de l'État nous a nommés pour redresser l'appareil judiciaire, mais aussi l'appareil pénitentiaire. Et c'est l'exercice auquel nous nous livrons depuis notre prise de fonction. Nous avons commencé par l'état des lieux. Nous sommes arrivés ici à la prison centrale de Makala le 3 juillet 2024. Nous avons fait un premier constat sur base duquel nous avions mis en place une grande commission de désengorgement et une sous-commission au niveau de la prison elle-même qui nous ont aidés à dégager une première liste des prisonniers éligibles à la libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Nous avons donc signé un premier arrêté de libération conditionnelle des condamnés ayant répondu aux conditions de libération conditionnelle, mais également nous avons ordonné la libération de tous les prisonniers qui ont été incarcérés de manière irrégulière. Et donc, au total, depuis le 1er, le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1283 prisonniers illégalement détenus. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelle. Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa, vous comptez 2 millions d'habitants. Vous comptez 3 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Kinshasa vous compte plus ou moins 15 millions d'habitants. Et donc c'est aussi normal que le nombre, la démographie carcérale puisse augmenter. C'est ce que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison, mais pendant ce temps, construire une autre prison. Et donc, nous avons déjà identifié un nouveau site où nous allons devoir construire une autre prison moderne. L'ambition pour moi, c'est de pouvoir désengorger de la moitié.
Et chaque semaine, je signerai des arrêtés, des libérations conditionnelles, mais en même temps, je vais signer une circulaire pour que les magistrats de parquet ne transfèrent plus tous les prévenus à la prison de Makala. Donc il est possible que par des amendes transactionnelles, des cas de litige soient réglés à partir des cachots. Et donc c'est ce que nous allons devoir donner comme instruction, et que désormais les transferts à Makala et ailleurs soient vraiment des cas graves. Merci. Absolument. J'ai d'abord instruit qu'il n'y ait plus aucun prisonnier qui passe nuit en dehors d'une cellule, que tout prisonnier passe nuit dans un lit. Et nous avons également pris la mesure de pouvoir rapidement réhabiliter toutes les toilettes de tous les pavillons. Nous avons pris la mesure de pouvoir réhabiliter systématiquement le centre de santé, et que des prisonniers qui ne doivent plus rester à Makala soient rapidement libérés. Donc c'est pourquoi chaque semaine, nous allons devoir signer des arrêtés, des libérations conditionnelles. Mais dans un premier temps, nous excluons de cette chaîne tous les prisonniers détourneurs des deniers publics de l'État. Nous considérons que ceux qui ont détourné les deniers publics de l'État doivent d'ailleurs, en plus de ça, faire l'objet des confiscations de leurs biens, pour que ça permette aux gestionnaires de la chose publique d'être désormais conséquents. Ceci dans le cadre de notre lutte contre la délinquance économique et financière. Vous avez également visité les pavillons des mineurs, au temps des mineurs. Quelles mesures pour les prisonniers mineurs ? Ben écoutez, il faut dire que nous avons été voir nous-mêmes les conditions des détentions des mineurs, et j'ai décidé également dans le cadre des mesures de libération de privilégier les enfants mineurs. Il y a aussi ces problèmes d'évasion dans beaucoup de prisons dans la province, à Kinshasa, au Congo. Est-ce que vous avez des projets ou des programmes à aller réhabiliter ou voir ce qui se passe dans notre province? Oui, le gouvernement de la République, par notre entremise, va effectivement construire de nouvelles prisons et réhabiliter d'autres. Et c'est l'exercice auquel nous sommes livrés depuis notre arrivée. Yaliboso na pesimbote na Félix Tshisekedi, en tout cas président misala malamu. Na sepe susu na Costa Mutamba, en tout cas la moni pena moi oyaka nango, en tout cas soit pena batu. To sepeli aye awa azobi misila biso bandeko ba umeli mingi. Misala malamu. To monelo to pesa yete merci na ye misala kende liboso, en tout cas oyanzaki nango yangwana. Bon, comme on a maman Cécile, na vai na kimwa la Don Bosco. Na vandi kabwe babengi nga ole ki nanga za ana prison abimi. Mais ni ona ye ko koma na ka yango na monyete. Na monyete. Na sepeli na mokonzi. So na monle ki na libanda. Na sepeli na mokonzi makambo asali. Costa Mutamba. Na sepeli makasi. Na sepeli lo na sepeli. Nga kombo na mami uvi. Kombo na mami uvi na sepeli lo ko makasi po le ki nanga na no fele tata te mama te. Na nga mo ne mtindi na ta premier cabine e na ko tala na ko tikele biloko. Yo nsko na mo nde nde ministre ya sondenga president sondenga ndenga sali bo na sepeli makasi na ndenga sali bo e le ki na asale lo te ba vivre la moi sine famille moi sine mtu e kangisa e ba koma a viol. Ba katele 5 ans de prison de asali de 4 ans. Sko na minute deja poisé la biso même tu habites tous les mutu obima yo na les sengo makasi ni damuna le ki na libanda na les sengo makasi na peso merci poisé na peso fachi na peso vima merci makasi peso ministre kosa ni tabana peso vima merba merci beba merci bepo e nyosh na tia mabolongo na sene église na zo le nzambe papa kosa amona te poisé la le ki na faveur bimse na prison pour na yeba ta ko na yeba côté katé mais pour na le ki na ko yo tala ye et peso makasi pour na oteka mais la minute déjà la peso merci pour le les qui n'ont déjà abîmé des gens, c'est que n'a merci ma casse de la paix. Costa Mutamba, à qui est le père du bosso, mandanga yenda nga bongoko. Même si on a postulé le président de voter, car donc nous sommes à Costa de voter, donc à qui est le bosso, moi n'a pas à où mais les salis 4 ans. Donc infraction, moi quoi, et zang à ta sens. Bakangi, si on a minuto, malgré la namonie, et la vie, la salle à la condima qui est à Kobima.
Mais papa Constant, na fati beto ba kende liboso peza na sepeli makasi. Constant Mutamba, na sepeli makasi peto beteli maboko makasi pe milolo to yoki esengo mingi biso ba mama. Po tozo soufi lokola biso yo, tozo gunda na ba mimbongo moko ezangati na tozo akambongo te me. Banda bana bakanga bango ba inosa moweyi plein air azate. Banda bakanga malelo 3 mois et demi, solution ezwa makate ndenge to moni ebo entuka mitema na biso tozane esengo makasi nzambe asala kaka. Sepeli po na liberation oyo. Na mokonza mboka na papa ministre asala ka boyeka ka po bano bazana kata bazaya kokufa na mibai na biso bakangama awa ba innocent aza a major 7 mois ngoyo abimarate likambatina te ogilonda kangai na pesi merci po na ministre so papa Constant Mutamba ndenge abimisi bana ato zali na Congo central ya makala na commune ya Selimbao biso toza bana bumbu to vanda ka pemeli awa Mwana kota to sala ki nyonso po mwana abima. Babenga ki ngana zakina prière na montagne na koma ki ana ba 7h na utaki na mangengenge nde na yaki awa ba ibi singapo na makamu ya mezi de grâce po na bana. En tout cas, libération conditionnelle po na bana na pesi merci po na papa Constant Mutamba na biso aumela a mwana biso mboka en plus jeune kitoko vraiment nzamba batela e. Pe na pesi président Fatih Beton aumela mwana mboka ati kabiso ba mama te na pesi merci nzambe vraiment a pambola e. Na remercier président Félix Moussa lezo sale mama lamu. Moussa lezo sale mama lamu penza na libération atindi ministre na biso aya ko libérer biso to nyokwa mi na nzela prison to nyokwa mi mingi pona bana na biso to sepeli mingi Moussa la malamu mboke ke liboso Nzamba bate la pas sunga mboka na biso Félix ya sa musala mala muto sepeli na emakasi. Okay. Voilà. 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 Voilà